Maintenant, Sam savait tout. Que son ami l'avait trompé, mais pour la meilleure raison du monde. Il savait aussi que ce qu'il avait aidé Lambert à construire devait être détruit. Et à présent, Sam Fisher était à son compte. Et plus rien ne l'attachait à son ancienne vie, excepté Grimm. Elle m'a appelé pour que je récupère Sarah. C'était trop tard pour les autres IUM, mais Sam méritait qu'on se donne enfin du mal pour lui. Pendant ce temps, elle irait à la Maison Blanche pour essayer tant bien que mal de sauver les meubles. C'est ce que j'ai fait. J'allais pas abandonner Sarah dans une merde pareille. Et j'allais pas abandonner son père non plus. Même s'il avait été imprudent et cogné sur tout ce qui bougeait pour obtenir des réponses. Ça, c'était notre bon vieux Sam. Du Sam tout craché. Du Sam Fisher en rogne. Finissons-en, espèce de merdeux! Tu penses que je vais rentrer là? Pas moyen! Crache le morceau si tu veux pas que je te brise la nuque. Te gêne pas! J'ai pas peur de toi, Fisher! Pas encore. C'est un dispositif IEM là-bas. Comment je l'arrête? Je sais pas. Et même si je le savais, je te le dirais pas. Enfoiré! Très drôle. Allez, te fais pas prier. Je sais vraiment rien d'autre. Je le jure! J'ai pas que ça à faire. Qui peut m'aider, alors? La scientifique! Amenée par Prentice! Dans l'entrepôt! Elle sera éliminée une fois les EM activés! Elle sait, elle! Eh ben voilà! J'ai pas de visuel sur Fisher. Il faut l'arrêter une bonne fois pour toutes. Déployez-vous. Trouvez l'ennemi et abattez-le. Fisher est dans le coin. On va pas le laisser nous ridiculiser cette fois, les gars. Mon Dieu. Je crois que j'ai la position de la cible. Toujours pas de nouvelles de la cible. Quelqu'un le voit? On va y aller. Tenez-vous prêts. On se prépare! On se bouge, allez!
Par ici. Il n'y a pas votre job. Et votre job est la seule chose qui vous garantit. Je ne voulais pas. Je suis vraiment désolée. Moins désolée. Tu comptes lui dire ça quand il va se pointer? J'avais pas prévu de lui parler. Plutôt de l'allumer en pleine face. Arrêtez avec ce Fisher. Dans moins d'une heure, la ville sera plongée dans le noir et on sera les seuls à avoir une idée de ce qui se passe. T'inquiète pas, Sam. Tu vas pas tarder à la rejoindre. Je ne sais pas qui vous êtes, ni ce que vous faites ici, mais... Merci. Ils allaient me... Laissez tomber. Il y a une IEM armée à 100 mètres environ. Elle doit être déclenchée ce soir. Comment je l'arrête? C'est pas possible. Il y a deux générateurs sur ce site. Une fois activés, ils alimentent l'IEM, qui devient alors opérationnel. C'est quoi le truc? Si vous détruisez l'un des générateurs, l'autre est activé en backup. C'est suffisant pour déclencher l'impulsion. Donc, je dois les neutraliser en même temps. Oui. C'est la seule option. Vous êtes accompagné? Sinon, c'est impossible. C'est toujours possible. Partez. Ça va devenir pourri niveau ambiance ici. L'ambiance va être pourrie. Partout. Bougez plus! Ouvrez l'œil! Trouvez la cible! Attendez! On tient la position ici. Restez vigilants et cherchez l'ennemi. Restez là. Laissez l'ennemi faire le premier pas. Ça sent pas bon. Gardez la position. C'est à ce moment-là que ça s'est compliqué. Ça n'avait pas été facile, mais j'avais réussi à convaincre Sarah de monter à bord de l'hélico et... on était en route pour rejoindre Sam. Mais il y avait déjà trop de choses en branle pour que ça aille nickel, et Sam ne réalisait pas encore contre qui il se battait réellement. Et marquer les générateurs de l'IEM pour que je les dégomme, c'était rien que le début.